Après 2 jours de réflexion et de partage d'expériences, la cinquième édition de la Semaine des énergies et des énergies renouvelables en Afrique a refermé ses portes hier dans la capitale burkinabé par une soirée de distinction, une soirée consacrée aux meilleures entreprises du concours d'innovation et de communication scientifique. Retour sur la soirée de distinction avec nos reporters Franck Ouedraogo et Moussaki. Une attestation et un chèque de 600 000 francs CFA pour l'entreprise Energio, classée première au concours d'innovation de la 5e édition de la Semaine des énergies et énergies renouvelables d'Afrique, SERA. Le promoteur du tricycle solaire est classé 2e et obtient une attestation et la somme de 400 000 francs CFA à cette soirée de distinction. L'entreprise Bio-Anigaz de Anita Paris prend la 3e place. Elle repart avec une attestation et un chèque de 300 000 francs CFA. Energio est une entreprise qui produit des groupes électrogènes hybrides qui fonctionnent à base du gaz et puis de l'essence, plus de l'énergie solaire. À côté, nous avons des groupes 100% solaires que nous avons dénommés Energio Gessling. Et c'est avec ce projet que nous avons soumis au concours SERA, le concours d'innovation de la semaine. Et nous avons reçu le premier prix. Et ce premier prix vraiment va nous permettre d'abord de revoir un peu le prototype pour l'améliorer, pour que ce soit plus attrayant et qu'on puisse également, derrière ça, avoir des relations. Je dis que ce troisième prix représente beaucoup pour moi parce que avoir un prix à SERA, c'est vraiment grandiose. Je suis vraiment contente pour cela et j'espère que de là, j'aurai d'autres portes pouvoir réaliser mon projet. Déjà, je peux dire que ce projet est un projet qui a un grand facteur social parce que c'est pour déjà faciliter l'accès au biogaz à toute la population. Parce que nous remarquons des pénuries de gaz vital qui fait que souvent la population peine à avoir du gaz, ils font de grandes distances à la recherche du gaz. Donc, avoir du gaz disponible et surtout à un prix abordable qui est de 1600 francs CFA contre 2000 pour le gaz vital, je peux dire déjà que c'est beaucoup, c'est pour soulager la population, surtout la vie de la femme. Parce que c'est la femme qui souffre quand il y a manque de gaz. L'impact social des projets de ces 3 entreprises récompensées est le premier critère de leur sélection, de l'avis du président du jury. Pour le département chargé de l'énergie, cette soirée de distinction est l'expression de l'engagement du gouvernement de la transition à accompagner toutes les initiatives allant dans le sens de l'autonomisation énergétique du Burkina Faso. Les meilleurs communicateurs scientifiques sur le thème intelligence artificielle et énergie renouvelable reçoivent des attestations d'encouragement et de l'énergie. Il y en a pour les artistes musiciens présents sur scène.